Pour résumer un peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je vous propose une petite slide, donc un petit schéma très rapide. Voilà, pour résumer, vous voyez sur la gauche qu'on a les appareils biomédicaux, donc ce qu'on peut connecter, des systèmes de perf, des machines d'hémodialyse. Le petit producteur de données. Le petit producteur de données, voilà, c'est Mathieu qui l'a dit. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive et le but d'une solution d'interop, c'est de pouvoir connecter un maximum de dispositifs médicaux sur un maximum de protocoles de communication. Ces dispositifs médicaux-là, comme on l'a dit, communiquent sur des protocoles propriétaires. Donc, on développe en tant que solution d'interop des librairies de communication. Et l'objectif, ça va être derrière de produire une donnée sur un profil complètement standardisé. Nous, on travaille en tout cas pour ce qui est de l'interop biomed avec les profils IHE. L'idée, c'est d'avoir une donnée qui est toujours la même, peu importe le système qu'on a en entrée, donc le dispositif médical. On a toujours la même donnée, qu'il s'agisse d'une alarme, qu'il s'agisse d'une donnée, qu'il s'agisse d'un événement. Il y a tout un tas de profils qui sont définis. Et l'idée, c'est de pouvoir alimenter donc toutes les applications métiers, comme disait Stéphane, justement pour aller aider la coordination de soins sur tous ces aspects. Maintenant, on parle aussi d'entrepôt de données beaucoup. On parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Tous ces sujets-là vont être d'actualité.